Une des choses que j'aime le plus dans le fait d'avoir fait ce film et rencontrer ces gens, c'est que j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui ont décidé d'être libres, qui ont décidé d'arrêter de faire ce qu'on leur a dit de faire et qui ont décidé de commencer à choisir ce qu'eux voulaient faire en fonction de ce qu'ils croient profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc d'une certaine façon, vous, vous allez voir ce film, peut-être que vous allez avoir envie de creuser ces sujets-là et de vous faire une idée par vous-même. C'est pas la vérité qu'il y a dans ce film. C'est un regard subjectif. Un film, c'est le regard d'un ou là, en l'occurrence, de deux réalisateurs, de deux auteurs, qui voient le monde avec un certain point de vue et qu'on vous propose pour que vous, ça vous fasse réagir, réfléchir. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous toucher, peut-être qu'il y a des choses qui vont, au contraire, vous allez avoir envie de repousser. Et le plus important, c'est que ça vous encourage à chercher quel est votre propre vérité et quel est votre propre point de vue sur le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on souffre beaucoup du fait qu'on a une vision du monde qui est extrêmement standardisée, justement, beaucoup par les médias, beaucoup par l'école aussi, beaucoup par notre propre paresse, aussi à accepter que de penser un peu comme tout le monde. On a un côté un peu autant de panurge parfois. On a un peu... C'est plus confortable et c'est moins difficile de suivre le courant. Mais aujourd'hui, le courant, il nous emmène vers le ravin, vers l'abîme. Donc, comment est-ce que chacun d'entre nous peut lire des livres, regarder des films, discuter avec des gens, aller voir des endroits qui vont lui permettre de se dire « Mais moi, je crois qu'il faut aller dans cette direction-là. Et moi, j'ai envie de faire ça. Moi, ma façon de mettre ma pierre à l'édifice pour construire une société qui marche, où je pourrais peut-être avoir des enfants un jour, où je pourrais vivre longtemps et à peu près en paix avec les êtres humains autour de moi, je pense que c'est ça. » Et nous, on vous propose simplement une vision qu'on a, nous, pour que ça puisse vous aider à vous développer votre propre vision et à devenir, vous aussi, des gens libres, responsables, autonomes, qui choisiront leur vie et qui la subiront pas.